Bonjour à tous. Alors, on m'a posé la question comment on mettait du slime. Alors, du coup, dans nos roues. Donc, du coup, le slime, bon, bah, moi, j'achète chez Decathlon, hein, j'ai pas de partenariat. J'achète ça. Donc, du coup, il faut bien le mélanger. Voilà. Là, bah, j'ai crevé. Donc, ça tombe bien. Si jamais vous n'avez pas crevé, vous videz l'air en appuyant sur le petit bitonio au milieu, là. Donc bien sûr, il faut enlever la valve, hein, le truc noir là, et après vous appuyez pour vider, pour chasser l'air. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a plus. Là, ici, vous voyez, quand vous levez, ça sort la tige. Et dans le bouchon, on a ça qui permet de dévisser la valve à l'intérieur. Le petit obus, ça s'appelle, pour les termes techniques. Donc du coup, vous voyez, il y a une petite fente. Je ne sais pas si on le voit, c'est bon. Donc du coup, vous le mettez. Vous tournez, d'accord. Vous dévissez. Hein. N'oubliez pas d'avoir chassé l'air juste avant, hein, sinon ça va faire pchut. Et vous voyez, l'obus, c'est ça. Donc ça, on l'enlève. Ensuite, vous prenez votre tube, vous le glissez dedans. Alors ça en met un petit peu à côté. Et là, vous voyez le liquide qui sort. Alors, je triche un peu parce que j'en ai déjà mis, mais comme j'avais oublié de faire la vidéo, du coup. Je mets le reste de la bouteille. Du coup, vous mettez, moi je mets la moitié de la bouteille. Alors ça dépend à peu près. Voilà. Et donc du coup, bah, vous mettez ce qu'il y a besoin. Bon, j'en avais déjà mis. Vous voyez, ça fait ça. Là, on essuie bien. Pas très compliqué. Vous voyez, vous reprenez l'obus. Donc il ne faut pas se tromper de sens. D'accord? Le petit truc rouge vers le bas là. Vous le remettez dedans. On reprend ça. Hop. Vous voyez, je remets dedans et je resserre. Je resserre. Voilà. Et là maintenant, on va attraper la pompe et je vais regonfler. Fais pause. Alors, on utilise la pompe Xiaomi. Encore de la pub. Là, on est en PSI. Moi, je me mets en barre. Donc, il faut appuyer sur le bouton de droite, là. Vous voyez, hop, là, c'est barre. Il y a marqué vélo. Là, je mets ce que je veux. Si vous voulez mettre plus, vous appuyez vers le haut. Mais moi, je veux 2 barres 4. Même 2 barres 3. 2 barres 2, tiens. Voilà, donc j'appuie plus et moins. Ensuite, je viens mettre visser sur la valve. Et là, je fais une petite prière parce que comme il est crevé, j'espère ne pas avoir à démonter entièrement ma roue, je vous l'avoue. Alors comme c'est une pointe, c'était une punaise, ça devrait bien marcher. Et j'appuie au milieu, alors ça va faire du bruit, mais on va couper après. On appuie au milieu. Là, c'est parti, ça gonfle. Alors là, c'est fini, vous voyez, il est bien à 2 barres 3. Donc là, je dévisse. Donc là déjà c'est rassurant parce que le pneu a bien gonflé. Donc après par contre quand vous mettez du produit, il faut à tout prix la faire rouler un petit peu pour que le produit se balade bien dans la chambre à air et se répartisse et surtout aille boucher ce trou. Donc là du coup je referme, je mets le petit capuchon. Et je vous conseille de le faire avant, pas après comme moi. Hop, voilà. Bon ben là du coup je vais aller rouler, hein. Je vais la faire rouler un petit peu, mais pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Et puis je vous dirai si ça a tenu ou pas dans les commentaires. Mais normalement il n'y a pas de problème. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.